Jusqu'à présent, une transition pour moi, ça avait tendance à ressembler à ça. Un genre de changement de bord, glissé sans aucun moment d'arrêt. Alors, de façon indéniable, ça fonctionne, puisque on peut comme ça changer de direction sans tremper le pied dans l'eau, ça c'est déjà pas mal. Mais on va voir dans cette vidéo que ce n'est pas vraiment une transition simple, et qu'en voulant travailler le bon geste lors de ma dernière session, j'ai eu le plus grand mal à gommer cette mauvaise habitude. Allez, c'est parti! On va commencer par décortiquer les différentes phases de cette pseudo-transition. Bien sûr, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne derrière, je vais devoir ralentir. Pour ça, le kite est à 11h et on va le laisser monter vers le zénith en poussant sur la barre un petit peu plus avec la main avant. Le kite commence à monter et là où normalement il faudrait cranter, moi j'opère un changement d'appui en mettant ma board à plat et en faisant glisser mon pied arrière vers l'avant. Au moment où le kite passe au zénith, je garde une traction verticale constante en bordant progressivement ma barre. Il faut maintenant relancer en tirant franchement sur la nouvelle main avant de façon à récupérer une traction horizontale et une certaine vitesse. S'ensuit une phase de dérapage avec des appuis pas très francs en mode hoverboard, regardez-moi ça comme il est chipouné, avant de récupérer un bord à peu près normal. C'est pas mal, on voit dans la trajectoire les différentes phases, la première phase de décélération avec un cap légèrement plus au vent, l'inversion des appuis qui marque un changement clair de direction, l'arrondi là en dérapage et ensuite la relance et le retour vers un cap un petit peu plus normal. Donc si on voulait faire un schéma de la trajectoire que je suis lorsque j'opère cette pseudo-transition, on commence par la phase de décélération, je remonte légèrement vers le vent, ensuite l'inversion des appuis sans s'arrêter, la phase de dérapage et ensuite la relance. Et bien sûr, on voit que j'ai perdu un petit peu de cap. Maintenant, la trajectoire que je voudrais faire, avec un crantage bien appuyé, qui se termine par un arrêt marqué au moment où l'aile passe par le zénith et où on fait l'inversion des appuis. Ensuite, on relance dans l'autre sens et on doit récupérer exactement le même sillage. Allez, bah, y a plus qu'à, voyons un petit peu ce que ça donne sur l'eau. J'ai personne derrière moi. Maintenant, on va la voile. Elle monte. On change d'appui et on est comme un con avec la voile aux hélices. Raté complètement. Voilà. Allez. On va essayer de refaire pareil. On donne un ordre au kite. Monte kite. On lâche la barre. Donc là, j'ai initié le mouvement de crantage en dirigeant ma board vers le vent, mais je ne l'ai pas assez appuyé. Du coup, je continue à déraper pendant que mon kite passe dans l'autre demi-fenêtre et commence déjà à me tracter dans l'autre sens. Or, je n'ai pas encore inversé mes appuis, comme vous pouvez le voir. Ma nouvelle jambe avant commence à s'enfoncer dans l'eau alors qu'il faudrait que j'ai tout le poids sur ma jambe arrière de façon à recommencer à glisser. Et on se fait casser. Oh, c'est joli ça. Bon voilà, situation rattrapée de justesse. J'ai enchaîné derrière pas mal d'essais, d'expérimentations pour essayer de trouver le bon timing. Et il m'a fallu désapprendre pour remettre les bonnes phases au bon moment. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, ça a été de trouver le bon timing pour le changement d'appui. Trouver le bon équilibre entre un crantage mais ne pas s'arrêter complètement. Pouvoir garder suffisamment de traction verticale au moment du passage de l'aile au zénith pour se redresser et changer ses appuis sans couler. Bien entendu, et enfin opérer un pivot de son corps autour du harnais en restant constamment face à la traction du kite. Si on fait une transition, je donne un ordre au kite de monter, je lâche, je prends, je change l'appui et je repars. Là ça commence à rentrer, j'ai réussi à récupérer le même sillage qui est plutôt un signe positif. Même si c'est pas parfait, ça commence à rentrer avec un mouvement de rotation autour du harnais me permettant de faire le fameux changement d'appui. Et je repars.
Vers la fin de la session, ça commence à passer, donc on va pouvoir décortiquer cette dernière transition. Et comme d'habitude, on commence par regarder derrière soi, de façon à s'assurer qu'on ne va gêner personne lors de cette manœuvre. On navigue avec un kite relativement haut, idéalement autour de 13 heures. Là, vous voyez que je l'ai déjà un petit peu trop remonté. Ensuite, je laisse monter mon kite en poussant sur la barre un petit peu plus avec la main avant, de façon à commencer à ralentir. Quatrième étape avec un crantage bien marqué et la board qui se dirige carrément vers le vent. Maintenant que je me suis arrêté et pendant que l'aile passe au zénith, au-dessus de moi, il va falloir border progressivement de façon à garder une traction verticale et éviter de couler. Normalement, la traction verticale permet de se redresser et d'opérer le changement d'appui en mettant tout le poids de son corps sur le nouveau pied arrière. Dernière étape, la relance. Le regard est déjà tourné sur le nouveau bord. Et là, c'est un petit peu comme un water start. On envoie franchement son aile et on dirige sa board sous le vent. De toute façon, on a un repère qui est le sillage qu'on a laissé en arrivant. Bon, bah là, je crante un petit peu trop alors que j'ai pas pris suffisamment de vitesse pour commencer à être au planning. Et en l'occurrence, je suis dans une position dite du teckel qui veut un sucre. Et on va se quitter là-dessus. Le geste n'est pas encore assuré. C'était le résultat d'une session de travail dédiée 100% à la transition. J'espère que ça vous sera utile de me voir galérer avec cette transition. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer comment ça se passe pour vous. Bonne progression à tous et surtout, soyez sages.